on a eu notre seul et unique enfant à moins 39, 37 et Annelise à 41. 41. Et on s'est rencontrés parce qu'on est, enfin moi journaliste plus dans l'audiovisuel, Annelise plutôt journaliste dans le web. On s'est rencontrés parce qu'on avait envie de se rencontrer professionnellement en fait, et puis on a eu envie de parler de ce sujet qui nous concernait, qui nous touchait, et surtout parce que c'est un sujet qui n'était pas réellement abordé d'un point de vue médical, voilà, en disant voilà, à partir de 35 ans, chute d'hormones, vous n'allez plus avoir d'enfants, ça va être super compliqué, etc. Et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup stressée. Et j'en ai souffert, je crois. Donc le fait d'écrire ce bouquin, on s'est rendu compte avec tous nos témoignages de parents et aussi de spécialistes qu'en fait, passer 35 ans, c'est pas non plus extrêmement compliqué d'avoir un enfant. Et même 40 ans, et c'est encore possible. Et on a voulu juste écrire un livre qui donne des astuces et qui dit vous avez des problèmes ou vous avez des envies, juste des envies. Ne stressez pas, n'écoutez pas forcément que les discours anxiogènes des médecins ou les discours alarmants, la grossesse va être compliquée, grossesse à risque. Oui, ou les discours de la boulangère ou de la belle famille. Ou de, voilà. Culpabilisants qui disent ah, mais vous êtes super vieux, vous n'allez pas faire un enfant à 40 ans, le pauvre, mais vous serez dans quel état quand il aura 20 ans Parce qu'en fait, ça peut très bien se passer. Et c'est ce qu'on explique aussi dans le livre. Alors, on n'est pas là non plus pour raconter. On vit au pays des bisounours, c'est que tout fonctionne, qu'on peut tous faire des enfants très facilement après 40 ans. Mais ça peut quand même très bien se passer. On est bien suivi en France. Les grossesses tardives, elles sont beaucoup moins inquiétantes, beaucoup moins compliquées qu'on veut nous faire croire. Voilà, même les experts le disent, hein. On en a interviewé régulièrement. Et il y a clairement une psychose autour de la grossesse après 40 ans qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà, c'est tout ça qu'on voulait dire, et dans une légèreté, tout en proposant quelque chose de très documenté. Ben on essaye le plus possible, parce que dans la vie, en règle générale, dès qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Maintenant, dans ce qui concerne la grossesse, l'envie d'être parent, parce qu'on parle aussi au papa, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a l'âge de nos cellules. Donc, nos cellules ont la vie qu'on a menée. Donc, on a été fumeur, on a fait la bringue. Ben, nos cellules ont fait aussi la bringue et ont aussi fumé, en fait. Donc, par contre, alors après, il y a des gens qui vont dire ah oui, non, mais moi, j'ai 40 ans, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, et pourtant, j'ai des problèmes de fertilité. Ouais, bah on est tous inégaux. Après, il y a des pathologies auxquelles parfois on n'échappe pas, il faut faire avec, mais là encore, il y a des solutions. Et on essaye aussi d'aborder des solutions qui ne sont pas forcément, parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous dire « Ok, allez voir un psy parce qu'on a un blocage psychologique, très bien, j'en ai déjà entendu parler, what's up ?» On essaye d'aborder plein de choses, dans la nutrition, ok, la psychologie, mais il y a aussi, alors la sophrologie, effectivement, c'est pas extrêmement révolutionnaire, mais on a toujours essayé, à chaque fois qu'on donnait des astuces, de trouver le truc qui marche et aussi qui n'est pas hyper connu et qui peut être un élément hyper favorable pour quelqu'un qui va se dire « Ah bah tiens, ça, j'y avais pas pensé, j'en ai jamais entendu parler. » Il y a plein de gens qui nous disent « On trouve des informations dans votre livre qu'on n'a jamais vues ailleurs. » Ça, d'accord. Ça me fait plaisir. Ouais, on a vraiment... Alors moi, ce sont des choses qui m'intéressent. Effectivement, tout ce qui va concerner la nutrition ou le levier psychologique, c'est hyper intéressant. Et on a vraiment été chercher l'info auprès de professionnels qui nous ont... ouvert les yeux sur plein de choses, hein. Par exemple l'aspect transgénérationnel, psychogénérationnel, pourquoi certaines femmes peuvent crier haut et fort un désir d'enfant alors qu'inconsciemment elles n'en ont pas du tout envie parce qu'elles vont porter peut-être une histoire de famille sur plusieurs générations et que personne ne leur a ouvert les yeux là-dessus. Et le seul moyen finalement c'est quand même d'aller consulter. Même si on ne sait pas trop pourquoi on y va, il faut aller faire une recherche. Ouais. Essayer de couvrir vraiment tout le spectre de la parentalité, donc de la procréation à l'éducation de l'enfant. Donc on aborde évidemment la grossesse, l'accueil de l'enfant qui peut être un peu particulier après 40 ans parce qu'il y a
la gestion de la fatigue, par exemple, qui est assez importante, donc ça, on en parle. On n'accueille pas un enfant de la même façon à 40 ans qu'à 20 ou 30 ans. On a aussi plus de maturité. On insiste là-dessus sur le bénéfice de la maturité, c'est quelque chose dont on parle très peu aujourd'hui, mais avoir du recul sur la vie, une certaine expérience, une assise sociale, une stabilité, c'est aussi un atout assez considérable pour éduquer son enfant. En fait, si on veut donner l'idée générale de la maturité, en fait, c'est jusqu'à 40 ans, on a suffisamment d'expérience de vie pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, les valeurs qu'on véhicule, les valeurs qu'on a envie de transmettre et la manière dont on a envie d'organiser notre vie. C'est des choses qu'on apprend quand on a 20 ans, 30 ans, finalement, j'aime pas passer une heure dans le métro tous les jours, finalement, si ça me plaît de bouquiner, de passer du temps. Et à 40 ans, il y a des choses qu'on sait assez précisément. Et quand on décide d'être parent à 40 ans, que ce soit dans nos besoins financiers, dans notre manière d'organiser notre travail, notre emploi du temps, etc., on est plus sûr. Et du coup, pour l'enfant, accueillir un enfant à ce moment-là, c'est assez confortable, en fait. En fait, il y a quelque chose qui est assez important, et effectivement, c'est que, comme dit Annelise, c'est un projet qu'on mature d'être parent à 40 ans, mais c'est aussi un projet qu'on n'a pas forcément non plus décidé. On ne se dit pas à 20 ans, ouais, bon, bah, moi je serai parent à 40 ans, c'est hyper rare. On a envie d'être tout le monde parent à 27, 30 ans, ça nous semble bien. Sauf que moi personnellement, ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai pas rencontré la bonne personne, en fait. Et le jour où j'ai rencontré la bonne personne, cette personne ne voulait pas forcément un enfant tout de suite, maintenant, sauf que moi j'étais en train de vieillir. Et voilà, et l'enfant est arrivé tard parce que ça c'est. Mais je ne l'ai pas choisi. J'aurais bien aimé avoir un enfant plus tôt et j'aurais bien aimé avoir du coup la possibilité d'avoir plusieurs enfants. Alors maintenant que j'ai écrit ce livre, j'aurais pas écrit ce livre, je me serais dit, mais non, attends, j'ai 40 ans là aujourd'hui, donc un deuxième enfant, c'est super compliqué. Mais maintenant que j'ai écrit ce livre, je sais très bien que oui, je peux avoir un autre enfant. Mais ça, c'est, en tout cas, je suis tombée enceinte au bout d'un an, donc ça n'a pas été hyper facile, mais une grossesse impeccable et un bébé qui va très bien. Je rassure tout le monde, faire des enfants tard. On a entendu des trucs comme « Ouais, mais le lait d'une maman à 40 ans, c'est un bon lait ?» ou « Quand vous allaitez votre enfant ?» Non, mais il y a des gens qui pensent ça quand même. Alors, le lait est très bon. Mon bébé a eu du très bon lait. Voilà. C'était plus un choix, pour le coup. C'est-à-dire qu'à 30 ans, j'avais une vie complètement différente de celle-ci. Il n'y avait pas vraiment de place pour le désir d'enfant et pour l'enfant tout court, même si j'étais en couple et que tout le monde me demandait « Ah, c'est pourtant !» Et le désir d'enfant, il est venu en fait via la famille recomposée. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs dans ce cas-là, ça concerne pas mal de parents, de futurs parents quadra. Donc j'ai rencontré un homme qui avait déjà un petit garçon et c'est un peu comme si j'avais fait un stage entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai découvert la vie de famille, les câlins le matin, le plaisir de transmettre, de passer du temps, etc. Ce que je ne connaissais pas du tout parce que j'étais dans un milieu dans lequel il y avait un milieu musical dans lequel il y avait très peu d'enfants en fait, donc je n'étais pas tellement en contact avec les gens qui avaient fait des enfants. Le désir d'enfant est venu assez naturellement, autour de 38 ans, comme par hasard au moment où l'horloge biologique est censée sonner très fort. Et c'est comme ça que je suis devenue maman. J'ai arrêté la pilule à 40 ans et j'ai mis une petite année aussi pour tomber enceinte. Et ça, voilà, j'ai eu beaucoup de temps, ça s'est fait spontanément. Avec une parfaite grossesse. Avec une grossesse, même chose, enfin, sans aucun problème. Et d'ailleurs sans suivi particulièrement lourd. Avec un petit garçon en bonne santé, enfin bref. D'accord. Oui, c'est ça. On aborde même à la toute fin les problématiques de l'adolescence, parce que avoir un ado à 60 ans, c'est pas la même chose qu'avoir un ado à 45 ans. Quand il y a plus d'une génération qui nous sépare, ça peut être un peu plus compliqué et ça peut être aussi bien. Enfin, on a des témoignages aussi dans ce sens-là qui expliquent que
on va transmettre les choses différemment. Ben, il y en a un qui nous dit, je dis à mes enfants, regardez, j'ai des super bouquins, et les enfants, ils disent, mais papa, nous, on a Internet. Et en fait, c'est un super papa qui est dans notre livre et qui se remet tout le temps en question. Il est à la retraite, bien sûr. Donc, il est complètement, les enfants arrivent, il a fait les gâteaux, les machins, il a préparé le repas, il est complètement, il est pas sur leur dos, mais en même temps, il est super dispo pour discuter et dans sa tête, il est super jeune, donc, puis il fait du sport. Ça, c'est un, je crois qu'il faut se tenir au niveau. C'est une des caractéristiques aussi des parents tardifs qu'on a pu interviewer, c'est que c'est des gens qui sont quand même très motivés pour rester connectés à leur époque, pour rester jeunes, pour rester en forme, qui vont tout faire pour... voilà. C'est des choix, il n'y a pas un modèle à suivre, c'est des choix. Lui, effectivement, il a choisi une femme qui est beaucoup plus jeune que lui, donc qui a eu envie d'avoir des enfants, et lui, il avait déjà 50 ans et plus, quoi, donc quand ses enfants sont arrivés, puis il en a eu trois. Donc, ouais. À partir de 50 ans. Ouais. Donc, bon, voilà. Je crois que ce qui est important de dire aussi, c'est, s'il y a un message à faire passer, c'est de dire à tous ces parents, aux futurs parents tardifs, et tous les gens qui ont un projet d'enfant, c'est d'assumer, en fait. Voilà, d'assumer ce qui leur arrive, que ce soit un choix ou pas. Et puis, tout ira bien à partir de là. Il y a eu des grossesses tardives jusqu'au début des années 80. En fait, dans les années 50, 60, il y avait des grossesses tardives parce qu'il n'y avait pas forcément la pilule pour tout le monde. Pendant les années 80, il y a eu un creux. Et puis, ça a commencé à remonter. Enfin, ça a commencé à remonter et ces dernières années... C'est la tendance et puis ça ne va pas s'arrêter là. Voilà. Et c'est... De toute façon, dans tous les pays industrialisés, c'est comme ça. Il y a des chiffres qui sont sortis récemment. L'âge moyen d'une grossesse en France, c'est 30,2. Il était à 28 il y a 5 ou 6 ans, je crois. Donc déjà, on recule l'âge moyen et du coup, les grossesses tardives augmentent. Quoi. Il y a surtout le phénomène infertilité, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'infertilité et que l'infertilité engage les parents sur un parcours qui est plus ou moins long et cette longueur, repousse l'âge de la fertilité. De la première grossesse. De la première grossesse. Donc l'infertilité est un gros facteur et l'infertilité augmente aussi. Donc de toute façon, le visage de la famille change et va changer de plus en plus. C'est juste qu'il faut qu'on l'accepte tous. Ouais. Sur l'ensemble des grossesses autour de 40 ans en France, quel est le pourcentage de grossesses naturelles, d'accouchements issus de grossesses naturelles et d'accouchements issus de grossesses via PMA? Je ne sais pas, mais je dirais, en tout cas, au vu de notre recherche, que c'est quand même une majorité de grossesses naturelles. Ouais. Mais à te dire PMA, exactement. Attention, la PMA, c'est super, c'est une grande avancée. En termes de médecine, etc., mais ça ne marche pas non plus à tous les coups. Donc les chances de grossesse, j'ai relu les chiffres dernièrement, les chances de grossesse sur une FIV avec ICSI, c'est 22%, sur une FIV sans ICSI, c'est 20%, et sur une insémination, c'est 10%. C'est les chiffres les plus récents que j'ai eus, donc ce n'est pas non plus la baguette magique, encore une fois. Donc il y a certainement un pourcentage de parents tardifs qui arrivent à la PMA, mais je ne pense pas que ce soit la majorité non plus. www.avoir-1-enfant-a-40-en.fr Avoir un enfant à 40 ans.fr. Facebook, tu sur notre site internet, on a des formulaires de contact, on a aussi un newsletter si ça intéresse les gens de savoir quelles sont nos rencontres, nos podcasts. Oui, on a des podcasts, c'est un point qui peut être intéressant, c'est d'écouter un peu des témoignages de parents qui sont passés par justement par la PMA.